Salut, on se retrouve pour la deuxième manche du championnat sur F1 2018, donc sur Bahreïn. Alors avant tout, je vais changer mon mode de capture vidéo. Vous me direz ce que vous préférez, soit la première manche, soit la deuxième manche. Alors je mets cette nouvelle capture en fait par un souci de qualité. Je trouve que c'est un peu mieux pour vous à regarder, peut-être un peu moins immersif, je sais pas. Donc je vous laisse voir cette manche et puis on se retrouve pour les qualifs. Allez, c'est parti. On a réussi une médiocre 19e place, donc avec un arrêt. Avec comme d'habitude, départ un peu musclé. Bon départ, continue comme ça. Allez, un bon freinage. Impeccable, très belle manœuvre. Voilà, on va se méfier avec Sainz juste devant. Pas le plus simple à passer. Pas mal. On va essayer de se rapprocher de Leclerc pour profiter justement du DRS et se libérer de Sainz derrière. Bon, ça a touché un peu. Délicat, freinage ici. C'est parti, DRS enclenché.
Ouais, je ressors mieux. On va essayer d'en profiter. Ah, il est pas mal. J'ai le DRS aussi. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des tendres. Je suis mieux placé. Attention. Ah, ça passe, mais il est juste derrière. C'est parti, mélange 3. Ah, j'ai pas DRS forcément, lui va l'avoir. Ouh, c'est chaud là. Je me suis fait l'écart peur. Avec la voiture derrière nous est de 1,6 secondes. Sergio est au stand. Sergio a fait un arrêt. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Allez, on est cinquième, mais bon, on va essayer de bien ressortir, profiter de ce tour-là. Rentre.
Allez, on n'est pas trop mal, je pense. P9 pour l'instant, P10, ça vient de passer. Allez, 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 allez. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Je suis moins bien que ce train de pneus là. C'était prévu. D'ailleurs, si je reste comme ça, ça va se taper le DRS, Alonso. Ouais, ça va déboîter, ça, je pense. Hein. Voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle. Réduis ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif. Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Je suis trop lent là. Allez hop, on accélère un peu. Pas évident à gérer ça. Hein. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. Ouais, clairement, il va me prendre. Je vais essayer d'intimider, mais non, ça passe pas. Ouh, ça part en contact. Ah, forcément, je suis en retrait, c'est plus compliqué. Allez, je suis P10, j'aimerais bien garder cette place-là.
Alors il reste 5 tours, Ocon et non c'est pas Ocon, c'est qu'est-ce que je dis? Grosjean est un peu trop loin. Allez, on va regarder derrière. Oh, ça devrait notre pas retard sur la voiture de parvenir, tête je pense. Est de 24,5 secondes. Au freinage. Ouais, j'essaie de freiner très tard. Ça va être chaud de les tenir derrière. Alors, je pense qu'ils vont avoir le DRS peut-être. Il nous reste 5 tours de carburant. L'écart avec le pilote de devant est de 3,7 secondes. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. On va pas pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. On a à peine 1 tour d'avance sur nos prévisions. Il va falloir que tu passes au mélange 2 bientôt.
Retour à la normale. Ça revient derrière. Il y avait un abandon, je suis venu passer 9e. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, j'ai plus grand chose à gagner. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,7 secondes. Ouf, mon freinage ici. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Dommage, j'avais un petit groupe devant avec Grosjean qui était prenable, je pense. Quelques infos à propos de Gasly. Il rencontre des soucis mécaniques. Allez, c'est pas si mal. P9. Compte tenu des qualifs. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi. Voici les pilotes qui montent sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Le leader vient de chuter au classement à la suite de ce mauvais résultat. Alors Nicolas Martin, quel bon, ben on est pas trop mal, là on est 9e. C'est à dire, mais je pense que c'est Esteban Ocon. Il a vraiment un don pour gérer ses gommes à la perfection et on l'a vu aujourd'hui. Voyons ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. On est 10e au classement général après la deuxième course. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine manche, la troisième manche du championnat du monde. À la prochaine, salut.